Hervé Révelli, bonjour. Bonjour. Pour les plus anciens, il est inutile de vous présenter. Tout le monde connaît votre parcours, couronné de nombreux titres de champion de France, et se remémore la belle épopée des Verts dans les années 70. À destination de nos jeunes, pouvez-vous en quelques mots nous décrire votre palmarès, ainsi que vos principaux titres acquis lors de votre brillante carrière? Alors, on va faire court parce que sinon ça va être très long. Tout à fait. Ok, donc c'est 40 fois international, plusieurs buts en équipe de France, 7 fois champion de France avec Saint-Étienne, toujours le même club, hein, pendant fidèle. La fidélité. 4 Coupes de France, toujours avec Saint-Étienne, quart de finale, demi-finale, finale à la Coupe d'Europe, 212 buts en championnat, donc pas loin de 400 en totalité. Hein, donc c'est quand même. Ça commence à être un joli palmarès. Et ton plus beau souvenir? Alors, le plus beau souvenir, c'est bien sûr, j'en ai plusieurs. Hein. Je dis souvent, quand on est amateur, on dit toujours, pour nous, on voit jouer les professionnels, on dit, après, si un jour je pouvais jouer professionnel, ce serait fantastique. Le palier est passé. Quand on est professionnel, on attaque en première division, on dit, oh là là, on va jouer l'équipe de France. Alors, si je pouvais un jour porter le maillot de l'équipe de France. Et ça arrive, parce que c'est le travail, c'est le... La ténacité, c'est beaucoup de choses qui font qu'on y arrive. Et puis après, il y a le summum, parce que j'appelle ça le summum pour tout footballeur qui vraiment aime ce métier-là, c'est de jouer la finale de la Coupe d'Europe. Alors c'est un bon souvenir parce que je l'ai joué. On l'a joué en plus dans une ambiance terrible, extraordinaire. Et puis le plus mauvais souvenir, c'est de l'avoir perdu ce jour-là parce qu'on ne méritait pas de perdre. Mais je dis toujours, c'est le football. Ce jour-là, les dieux n'étaient pas avec nous. Et puis voilà, c'est tout. Ouais, c'est... Après quelques semaines passées parmi nous et au travers des premiers entraînements et matchs amicaux, quel regard portez-vous sur les joueurs et sur le club? Alors, d'abord sur l'équipe et les joueurs, vous avez un effectif qui est très jeune. Bon, il y a peut-être un ou deux anciens qui sont encore là, qui sont gardiens, qui sont au milieu. Bon, c'est une équipe qui vit. D'abord, c'est une équipe qui vit très bien ensemble. Ça, c'est déjà un gros point. Très important. Un point positif. Bon, il fait que les résultats ne sont peut-être pas là. Mais cette équipe-là a confiance parce qu'elle sait que les résultats vont arriver. Quoi. Donc c'est pour ça qu'elle vit bien. Parce que sinon, ça serait dramatique. Mais ce qui me fait être optimiste, c'est parce que cette équipe-là, je la sens, ça fait un mois que je suis avec. Un mois que je regarde, je ne parle pas encore parce que je ne connais pas assez bien le groupe. Mais disons que l'ambiance y est. Le talent des jeunes joueurs y est. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut progresser, il faut avoir une certaine expérience. Et donc, je vais essayer d'apporter cette expérience-là du haut niveau, sans passer au haut niveau non plus, parce que ça reste des amateurs. La parole avec les joueurs amateurs, elle est différente qu'avec les professionnels. Ça, il faut faire très attention. On ne peut pas arriver dans un club amateur et mettre en place un club professionnel et parler aux professionnels. Donc, je pense que de ce côté-là, il faut faire des efforts. Mais ils sont réceptifs. Ça, c'est une bonne chose. J'ai été accueilli merveilleusement bien. Ça aussi, vous savez, quand... Bon, un Stéphanois, je suis aussi lyonnais parce que je suis souvent à Lyon, mais quand un Stéphanois arrive comme ça en région, on a toujours un petit peu, bon, comment on va être, mais là, j'ai trouvé ça fantastique. Bon, j'ai été très bien accueilli, et ça conforte dans ce que je disais et, au dirigeant, à Thierry, qui m'a fait un petit peu venir ici, m'a poussé un petit peu à venir. Thierry Paturel? Thierry Paturel, pour ouais, le citer. Oui, Thierry Paturel, bien sûr. Donc, il m'a fait un petit peu venir ici. Il m'a donné l'envie, en plus, de venir. Il m'a dit, si tu pouvais venir nous aider. Bon, voilà, ça s'est un petit peu passé comme ça. Mais après ça, j'ai discuté avec le président, avec beaucoup de monde. Et je pense que ça m'a fait que Hervé, il a dit, il accepte, quoi, c'est tout. Quelles valeurs vous semblent les plus importantes pour un joueur, notamment dans le monde amateur? Dans le monde amateur, on va parler d'abord de allez, je dis toujours, on parlait de fidélité. C'est d'être accroché au club déjà. Parce qu'en professionnel, on vient là, un mois après on est ailleurs, c'est pas pareil. En amateur, il faut déjà accrocher le club. Déjà là, c'est très important. Je disais toujours, et comme au départ, j'ai dit, moi j'ai accroché avec Saint-Étienne à l'âge de 16 ans, je suis parti 16 ans plus tard. Quoi. Donc, parce que le club, parce qu'on y était bien, ça c'est très important. Mais quand on est bien dans un club, on est obligé de réussir.
Voilà, ça c'est primordial. Après, il y a la valeur aussi, hein, la valeur du joueur sur le terrain, qui fait que, parce que si un joueur n'est pas bon sur le terrain, il ne va pas jouer, il va être vite dégoûté, il va partir. Donc moi je pense que c'est un ensemble. C'est un ensemble, mais déjà quand le joueur amateur se sent bien dans le club amateur, il ne demande pas grand-chose, c'est de pouvoir jouer, de pouvoir s'entraîner. Et quand on s'entraîne sérieusement, automatiquement on joue. Voilà ce qui fait que bon, la fidélité elle est là aussi. Hein. Si on ne joue pas, on est moins fidèle, c'est sûr. Hein. Mais je pense que là, les joueurs, enfin, j'ai regardé un petit peu les fiches, ils sont là depuis très longtemps. Tout à fait. Ça dénote l'attachement qu'ils ont avec ce club. Bon. Et bien, c'est à mettre au crédit du club alors. C'est à mettre au crédit du club, ça c'est sûr. Ok. Eh bien, merci Hervé Rivelli pour cette disponibilité. Et puis, encore une fois, bienvenue à la SMT. Merci beaucoup et bonne chance.